Alors, aujourd'hui, un grand classique du rock, folk, pop français, à savoir Francis Cabrel. Et aujourd'hui, on va voir Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, qui est une de ses chansons les plus connues et qui est globalement une des plus faciles à jouer. Alors, on va voir ça, elle est un peu traître cette chanson, il y a un truc à choper dans le rythme, mais pour le reste, en termes d'accords, on a du ultra basique, on a un sol majeur, que l'on joue cette fois-ci de manière standard, hein. On fait pas des accords de rock, on fait pas des trucs comme ça, c'est le sol majeur, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, on a un ré, suivi d'un do. L'intérêt, ce qui dans cette chanson, c'est que ça va vous obliger à vous entraîner pour faire le passage du ré au do, où là il va falloir s'entraîner à plaquer cet accord de do. Et ensuite un accord demi mineur, et là c'est très simple, on le garde son majeur appuyé comme on était pour l'accord de do, hop, et on se pose son index pour faire l'accord de mi mineur. J'ai dit majeur, c'était une erreur. Et puis c'est tout. Voilà, c'est la totalité des accords pour les couplets. La petite subtilité, c'est dans le refrain, à un moment donné, on va avoir un la mineur qui va venir s'intercaler. Voilà, c'est tout pour les accords. Donc, je vous ai dit que cette chanson était simple pour les accords. Par contre, pour la rythmique, c'est autre chose. Donc la rythmique, c'est tout l'intérêt du morceau d'ailleurs, c'est une fois de plus une rythmique à la double croche, donc c'est un coup à choper, faut le travailler ça, c'est hyper important. Il y a ça, et puis il y a ce petit passage de l'accord du ré au do, où là il va falloir vous entraîner à être capable de plaquer le do, c'est-à-dire je veux pas voir un truc comme ça, et puis après je commence par mettre mon index, puis mon majeur, puis mon mineur, non non non, le do. Être capable de le plaquer comme ça. Ce qui vous aidera aussi à plaquer des fa après, à plaquer des si mineurs, etc., etc. Donc c'est important pour certains types d'accords d'arriver à tout plaquer d'un coup. Donc voilà, la rythmique, à quoi ça ressemble? On a quelque chose comme ça. Alors le truc important pour cette rythmique, en dehors du fait qu'elle a la double croche, c'est de mettre un peu de subtilité. C'est-à-dire, on peut très bien la jouer comme ça. Mais c'est pas bon. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va alterner à gratter sur les temps un peu forts, sur les cordes graves et les cordes aiguës pour arriver à avoir ce genre de rythmique. Capable d'alterner ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ma rythmique à quoi ressemble, on a quelque chose comme ça. Alors je vais bloquer les cordes. Je commence toujours par un coup en haut, suis d'un coup en bas. Bas, haut, bas. Bas, haut, bas. Je descends sans gratter. Je fais bas, haut, bas. Peu importe, l'idée c'est d'avoir ce petit, ce qui va donner
n'hésitez pas sur l'accord de mi mineur à vraiment repartir. On est sur le do en termes d'interprétation. On est plutôt sur des notes aiguës. Quand vous arrivez sur le mi mineur à de gratter plutôt sur les cordes graves histoire de redonner de l'ampleur, etc. Et quand on repart sur le sol, de vraiment faire. La première fois que vous repartez sur le sol après le mi mineur, c'est. N'hésitez pas à regratter toutes les cordes pour redonner aussi cette impulsion au morceau. Donc voilà la rythmique. Ok ? Et à chaque fois, en fait, pour chaque accord, on est sur deux mesures. Donc on a quelque chose d'assez long. La seule différence, c'est au moment du refrain, ou après le mi, si je me souviens bien, mi mineur, on part sur le do. Et là, par contre, on n'est que sur une seule mesure pour le do et le la mineur. Deux mesures sur le ré. Donc, j'ai vraiment le. Ok. Je n'arrête pas en fait ma main droite. C'est-à-dire que vu qu'on est sur un rythme assez rapide, vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter votre mouvement de main. Alors, une chose importante qu'il faudra aussi travailler, on n'est pas sur la gratouille comme ça, c'est-à-dire l'avant-bras qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Il faudra commencer à travailler, on va dire, de bouger uniquement le poignet pour avoir cette rapidité dans le jeu qui va permettre de faire ça. Ok ? Et puis c'est tout. Après, le reste du morceau, toujours pareil. Le sol, le ré, le do, le mi mineur, deux mesures à chaque fois. Une seule mesure sur le passage du do et du la mineur dans le refrain, deux fois. Sinon, après, pour tous les accords, c'est systématiquement deux mesures. Donc voilà, rien de bien compliqué au niveau des accords. Par contre, clairement, une rythmique à choper, à tenir, à faire propre, c'est hyper important. Parce que tout le morceau, en fait, il n'y a que ça, il n'y a qu'une guitare-voix. Et surtout d'être capable de la tenir pendant tout le morceau. Et ça, honnêtement, c'est pas le plus simple. Voilà, bon courage!